Agérop réalise la mission de coordination des chantiers du quartier Pardieu pour la SPL Lyon-Pardieu. Le client a un double objectif, la réalisation de l'ensemble des opérations d'ici 6 ans et le maintien de l'accessibilité au quartier. Le projet Pardieu est un projet hors norme. Nous avons dû donc développer de nouvelles solutions pour pouvoir arriver à intégrer un grand nombre d'informations pour pouvoir coordonner ce chantier. Sébastien est venu nous voir avec une problématique de gestion de l'information. Il est confronté à des problèmes de traçabilité puisque ses données d'entrée sont très diverses, allant du papier à la maquette numérique complexe. Et en même temps, il a besoin d'une grande souplesse et d'une grande réactivité face aux nouvelles données d'entrée qu'il devra intégrer pendant 6 ans. Nous avons développé une maquette numérique qui a de multiples usages. Elle nous permet de partager et diffuser l'information à de multiples acteurs de manière très simple. Elle permet également d'intégrer dans un outil collaboratif l'ensemble des prises de décision faites en réunion. Elle permet enfin de produire des plans et coupes pour traiter les conflits techniques entre opérations. En connectant le planning avec les modélisations, nous avons centralisé et rendu interopérables toutes les informations reçues par Sébastien. Nous avons ainsi créé une maquette spatiale et temporelle qui a trois rôles. Un rôle d'intégration des données d'entrée, c'est également notre support de travail, de recherche d'incohérences et de propositions de solutions, et c'est aussi notre outil de production pour fournir des données cohérentes et qui soient très faciles d'utilisation pour nos partenaires. Ce nouvel outil permet de recomposer la ville sur elle-même en maintenant ses usages. C'est un outil puissant dans le cadre de la conception, de la réalisation et de l'exploitation de centres urbains complexes. Les potentiels de notre maquette numérique sont gigantesques. On envisage de communiquer avec les usagers. On pourra certainement restituer des données à la métropole pour améliorer les services et faire des déversements de données vers les études de trafic pour améliorer les itinéraires dans la ville de Lyon.